Et nous allons donc écouter pour la dernière intervention de la journée, Julia Kristeva, pour parler d'Émile Benveniste, autre professeur du Collège de France des années 30 aux années 60, fin des années 60, donc pour très longtemps, et de ses relations avec Freud ou avec la psychanalyse sous le titre Émile Benveniste, lecteur de Sigmund Freud. Merci. Merci de cette invitation et merci de me donner l'occasion d'évoquer ici l'œuvre et la mémoire d'Émile Benveniste, qui, je pense, est beaucoup moins connue que Valérie et qui me conduirait à rappeler quelques éléments de sa vie et de son œuvre de linguiste, tout en me concentrant sur son rapport à Freud. Mais à la réflexion et après avoir relu ce que je préparais pour aujourd'hui, mon exposé s'intitulerait moins Benveniste lecteur de Freud que Benveniste avec Freud. Parce que je ne vous propose pas une explication du texte que Benveniste a écrit sur Freud. Je vous inviterai à penser comment l'œuvre de Freud accompagne la pensée de Benveniste à la recherche d'un nouveau modèle du langage, un nouveau modèle qui devait reposer non pas sur ce qu'il considérait comme des limites des modèles du langage existants à son temps, c'est-à-dire le langage comme système ou comme structure, mais un modèle qui sonde une expérience subjective qu'il va appeler une signifiance, en reprenant ainsi un terme modi significant d'idées linguistes du Moyen-Âge. Et en le revoyant, en le réinterprétant, je pense, à la lumière de ce qu'il a perçu chez Freud. Benveniste est un savant austère, un très grand connaisseur des langues anciennes, expert en grammaire comparée, autorité en linguistique générale aussi. Il connaissait le sanskrit, le tocharien, l'indien, l'iranien, le grec, le latin, toutes les langues indo-européennes, et à la cinquantaine passée, il s'est plongé dans les langues amérindiennes. Pourtant, son œuvre d'une audace impressionnante, tout en retenue et d'une modernité apparente, demeure, il me semble, relativement méconnue et peu visible de nos jours. En 1956, il écrit, peut-être sur l'invitation de Lacan, une étude qui fera date et qui s'intitule « Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne ». Un texte qui est repris dans le premier volume de ses problèmes de linguistique générale chez Gallimard 66, de 1966. À ma connaissance, c'est le premier travail sérieux de linguiste consacré au langage dans la découverte freudienne, et peut-être le seul, mis à part les analyses plus tardives et plus personnelles qui ont été publiées par Jean-Claude Milner et de moi-même. Benveniste constate dans ce texte que la psychanalyse, il écrit, semble se distinguer, je cite, de toute autre discipline. Elle opère sur ce que le sujet lui dit. Il est tout de suite dans une relation, non pas de scientificité objective, mais soumise à un acte de communication, on verra lequel, entre deux. Elle opère sur ce que le sujet lui dit, afin d'expliciter un autre discours, celui du complexe enseveli dans l'inconscient. C'est ainsi qu'il comprend Freud. La motivation, j'insiste là-dessus, que Freud va appeler transfert Übertragung, tiendrait ici la place de causalité. La cause ainsi comprise provoque l'émergence régressive de souvenirs et dans le discours du patient de la donnée de fait autour desquelles s'ordonnera désormais l'exégèse psychanalytique du processus morbide. C'était la page 76 du texte, si vous voulez bien un jour le consulter dans l'édition Gallimard. Donc, en discutant implicitement avec Lacan et avec un article de Freud sur le sens opposé des mots primitifs, Benveniste prend en compte ce qu'il appelle la symbolique de l'inconscient, chez Freud, c'est-à-dire des processus primaires, métaphore et métonymie. Mais pour lui, ces procédés stylistiques du discours sont infra- et supralinguistiques. Vous voyez déjà qu'il
s'approche d'un modèle du langage qui ne comporte pas la strate linguistique, mais dans lequel il y a du supra et de infralinguistique. Autrement dit, dans l'inconscient freudien, serait repéré quelque chose du mécanisme du style, dit-il, plutôt que du langage ou de la langue en tant que système, par la création duquel, du style, la subjectivité, et c'est le sujet de Benveniste qui va s'affirmer tout au long de son œuvre, dans lequel la subjectivité se manifeste dans la manière commune du discours et à sa manière se délivre du discours. Donc vous voyez qu'il entre dans une réflexion sur les processus de la subjectivation et de désubjectivation. Donc tout au long de ce débat feutré, avec Freud d'un côté et avec Lacan de l'autre, qui voit dans l'inconscient un langage, Benveniste souligne en somme que la parole recherchée et accomplie sur le divan n'est pas une langue dans laquelle le linguiste décèle seulement des structures socialisées, ni même un discours, au sens où chaque locuteur, dans l'acte du dialogue, y ajoute un dessin nouveau et strictement personnel. Donc la langue et le système, le discours, c'est ce que j'ajoute dans la communication avec un autre. Il y a antinomie chez le sujet entre le discours et la langue, dit-il. Donc le style n'est même pas ça, celui qui correspondrait à l'inconscient du rêve et un prototype de l'inconscient. Plus radicalement, insiste-t-il en lecteur attentif de Freud, pour l'analyste, l'antinomie s'établit à un plan différent et revêt un autre sens. Il doit être au contenu du discours, mais non moins et surtout s'intéresser aux déchirures du discours. Déchirures, nouveaux contenus, symbolisme spécifique, ce sont les termes qu'il emploie pour parler de ce processus qui se déverse à travers le langage et que le linguiste écoute à travers le langage, mais qui ne se réduit pas à la langue ni au discours. Donc, en définitive, l'analyste prendrait le discours comme un truchement de notre langage, dit-il, et qui renvoie aux structures profondes du psychisme. Donc, loin d'assimiler l'inconscient au signifiant linguistique, en disant que c'est une autre langue, une translinguistique, il prétend en quelque sorte combattre Freud au nom de Freud et chercher à élucider ce que Freud avance, mais pour lequel le Freud ne donne pas le concept adéquat. Une ouverture, en somme, à travers la langue, d'une modalité de signifier qui serait différente. En repérant les déchirures des codes de communication, lesquels, je cite, n'expriment que ce qui est possible d'exprimer, c'est-à-dire des catégorisations qui créent des relations d'objets, mais non, je cite, les défaillances et le jeu qui amplifient, je cite, l'univers de la subjectivité. L'univers de la subjectivité, instante et élusive. Donc, pas d'homologie entre la langue catégorielle et le rêve qui se contente de transformer. Benveniste invite cependant à poursuivre l'audace de Freud qui, je cite, a jeté la lumière sur une activité verbale telle qu'elle se révèle quand le pouvoir de la censure est suspendu. Fin de citation. Et il essaie d'aller plus loin de Freud, mais vers ce que Freud suggère, et par-delà, en tout cas, du structuralisme, vers ce qu'il appelle une pulsion psychosomatique, mais pas réductible au langage. Et c'est ça qu'il me semble chercher lorsqu'il introduit dans le champ de la signifiance, que nous allons explorer plus loin en parlant et plus tard de ces analyses, en introduisant donc dans le champ de la signifiance ce qu'ils appellent, je cite, toute la force anarchique entre ces formes de langage et la nature des associations qui se nouent dans le rêve, autre expression des associations inconscientes. Donc force anarchique, force inconsciente
elles se livrent dans le rêve, mais ne sont pas réductibles à la langue. Avant de rappeler que, je cite, « certaines formes de poésie peuvent s'apparenter au rêve et suggérer le même mode de structuration, introduire dans les formes normatives du langage ce suspense du sens, ce suspens du sens que le rêve projette dans nos activités. Mais alors, c'est paradoxalement dans le surréalisme poétique que Freud, au dire de Breton, que Breton ne comprenait pas, selon Freud lui-même, c'est donc paradoxalement dans le surréalisme poétique, dit Benveniste, qu'il aurait pu trouver quelque chose de ce qu'il cherchait à tort dans le langage organisé. Donc le rêve se retrouve dans les formes stylistiques où ce suspens du sujet et de la langue se produit. Et Benveniste de lire avec passion dans les textes d'Artaud, que je vais apporter au colloque de Varsovie, fondateur de l'Association internationale de sémiologie en 68, ces suspens du langage et ces déchirures de la conscience, avant de se pencher sur le style de Baudelaire lui-même. Nous avons quelques notes qui viennent d'être publiées de Benveniste, lecteur de Baudelaire, et qui nous donnent des tentatives d'épouser, en tant que linguiste, ces déchirures du langage à travers le style. Benveniste lui-même n'a pas écrit de texte poétique. Et ce n'est qu'en 1924, c'est-à-dire à l'âge où il n'a que 22 ans, qu'il publie une sorte d'auto-analyse littéraire, une sorte de poème en prose sous le titre « L'eau virile », dans lequel il fait écho à Rilke et nous communique une sorte d'aveu condensé de sa relation au maternel sous la forme de l'image de l'océan qui serait une eau virile et qu'il renvoie à l'image maternelle en se décrivant lui-même, comme tous les savants, dit-il, un vieil océan au grand célibataire, lui-même tous célibataires, comme tous ces autres qui auraient comme mère un océan viril. C'est très allusif, mais ça joue déjà avec un certain nombre de métaphores sexuelles renvoyant à l'inconscient freudien, qui, encore une fois, ne sera pas abordé comme tel, mais comme déchirure du langage. Il reste dans les limites de sa discipline et essaye de la féconder en donnant un autre modèle de langage sans empiéter sur le modèle de la cure. C'est dans ses dernières leçons, publiées récemment par Irène Fenoglio et Jean-Claude Coquet, que nous avons une réflexion suggestive et aussi laconique sur cette vision du langage qui s'élabore dès le début de sa carrière de linguiste, à côté de sa spécialité de linguiste spécialiste des différentes langues, mais dans ses réflexions sur la linguistique générale. Mais je pense que pour pouvoir aborder ces modèles du langage qu'il nous propose, il me faudrait passer quelques minutes sur son histoire d'homme de ce siècle, du XXe siècle, qui se considère comme un Israélite agnostique et comme un enfant des Lumières. Et c'est le vécu de son être et les révolutions de sa conscience qui me semblent se refléter plus ou moins indirectement dans ces modèles du langage qu'il va nous proposer. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails, je vous propose de consulter les dernières leçons. Je souligne simplement que c'est un enfant qui s'appelle Ezra Benveniste, né à Alep en Syrie en 1902, que ses parents envoient à Paris à l'âge de 11 ans. Il devient élève au petit séminaire de l'école rabbinique de la rue Vauquelin en 1913. Il est découvert par Sylvain Lévy, à moins que ce ne soit Solomon Reynac, comme très doué des langues, pour les langues. Il est présenté au grand Antoine Meillet. Il intègre l'école pratique des hautes études en 1918, devient licencié ès lettres l'année suivante,
obtient l'agrégation de grammaire, pur produit de la République française et de la laïcité, pour lesquels il n'est pas un militant, mais un réalisateur dans son œuvre. Change de nom en 1924, devenant Émile Benveniste. Pendant ces années de formation, il noue des liens très étroits avec de jeunes philosophes et linguistes, normaliens plus ou moins révoltés, libertaires, antimilitaristes, voire sympathisants communistes. Il croise les surréalistes et sans doute, dès cette époque-là, entre en contact avec la pensée freudienne. Il signe avec le surréaliste, dont il ne parlera pas directement plus tard, un manifeste en 1925 qui s'intitule « Les révolutions d'abord et toujours » et dans lequel il appelle à la violence sanguinaire, dit-il, car il pense que la révolte est essentielle à l'être humain. Et c'est ce texte d'obédience on va dire freudo-marxiste, qu'on peut dire ultérieurement, qu'il signe avec d'autres. Très rapidement, pendant la guerre, il est aussi le signataire d'une lettre collective organisée par Marc Bloch et adressée à l'UJF pour attirer l'attention sur la politique de Vichy faisant des Juifs une catégorie à part, prélude à la déportation. Échappe à la déportation en émigrant en Suisse. Son frère est arrêté et il disparaît à Auschwitz. Cette biographie concise, où il devient membre du Collège de France en 1937. Cette biographie concise de cet Israélite agnostique, comme je l'ai dit, ce Français nomade, est avant tout celle d'un homme qui fait du langage un chemin de vie. Et c'est ainsi qu'il décrit son rapport au langage dans certains textes du deuxième volume de Linguistique générale et qu'il reprend dans les derniers cours au collège. « Ote legei, ote crypte, alla semane », c'est-à-dire « la langue ne dit ni ne cache, elle se contente de signifier ». Ces paroles d'Héraclite, dont Benveniste fait sa devise, voire un style de pensée et de vie, résonne en écho avec la conclusion que donne Freud lui-même de l'acte de signifier et notamment du processus inconscient à la fin de l'interprétation des rêves de 1900 où il dit que le rêve ne nomme ni ne juge, d'une certaine manière il ne pense pas, il se contente de transformer. Donc c'est ce travail de transformation permanente, on a parlé tout à l'heure de la subtilité du moi et de l'identité, c'est ce travail de transformation des identités signifiantes et du sujet lui-même qu'il cherche à faire apparaître dans ses modèles du langage. Et qu'il va appeler dans les premières leçons du collège, le pouvoir signifiant ou une signifiance qui est la propriété même du langage. Alors, qu'est-ce que signifier ? La question est métaphysique. Il le dit dans des textes du deuxième volume de Linguistique générale, mais cette question métaphysique le conduit, lui, Benveniste, en tant que linguiste, à lui chercher la solution matérielle, uniquement dans le fonctionnement du langage, et de ne pas la renvoyer à une transcendance ou à une extériorité, qu'elle soit psychique ou sociale. Ça signifie, et synonyme pour lui de « ça parle », et c'est donc sans le recours à quelque extériorité transcendantale, subjective, religieuse ou sociale, qu'il essaye de trouver cette capacité humaine de signifier dans les propriétés du langage même, qu'il finit par appeler un organisme signifiant. Donc ni structure, ni système, mais un organisme signifiant.
Et je vais essayer de baliser ces trois étapes de sa compréhension de l'organisme signifiant dans ses travaux de linguistique générale, en vous parlant d'abord de ce qu'il appelle la double signifiance, ensuite le recours à l'écriture, la particularité de l'acte d'écrire dans l'organisation de la signifiance, et enfin la signifiance comme expérience de la rencontre entre deux, au moins. Alors, double signifiance, il écrit dans la première leçon, « Nous posons, quant à nous, que la nature essentielle de la langue qui commande toutes les fonctions qu'elle peut assumer est sa nature signifiante. La signifiance qui informe la langue, ainsi posée, est une propriété qui transcende toute utilisation particulière ou générale, ou encore une caractéristique que nous mettrons au premier plan, la langue signifie. » Nous sommes le 2 décembre 1968, 7 mois après le fameux mai 68. Alors, qu'est-ce qu'il entend par signifier ? C'est une idée neuve, souligne-t-il, et pourtant c'est une idée neuve, mais il se réfère aussi à Charles Sanders Peirce et à Saussure qui les avaient déjà introduites, ces idées, mais d'une autre façon que lui. Nous sommes, avec cette idée neuve, dit-il, nous sommes jetés dans un problème majeur qui embrasse la linguistique et au-delà. Quelques précurseurs, donc, comme Peirce ou Saussure, nous ont introduits dans cette dimension, il faut nous démontrer encore, il nous reste à démontrer, que nous vivons dans un univers de signes, dont la langue est le premier, écrit-il, suivi de signes d'écriture, de reconnaissance, de ralliement, etc. Benveniste entend montrer comment c'est simplement et seulement l'appareil formel de la langue qui la rend capable non seulement de dénommer des objets et des situations, mais surtout de générer des discours aux significations originales, aussi individuelles que partageables dans les échanges avec autrui. Mieux même, c'est la langue qui est le seul système de signes qui non seulement génère des discours, mais qui, non content de s'autogénérer elle-même, peut s'interpréter elle-même. Donc, auto-engendrement et interprétance de la langue sont propres au fonctionnement de la langue, qui est le seul système de signes capable de ceci, dénommer, générer des discours, s'autogénérer et s'interpréter. Dès le premier tome de son œuvre maîtresse, Problème de linguistique générale, il propose une linguistique donc générale qui s'écarte de la linguistique structurale, mais aussi de la grammaire générative qui dominait le paysage linguistique de cette époque, et avance une linguistique du discours fondée sur l'allocution et le dialogue, avant d'ouvrir au fait que l'énoncé est aussi une énonciation et le fruit d'une subjectivité dans l'intersubjectivité. Cette idée de la signifiance et de l'intersubjectivité se fait dans le sillage de la philosophie analytique, bien sûr, les énoncés performatifs par exemple, mais aussi dans le sillage de la psychanalyse freudienne, puisque Benveniste conçoit la subjectivité dans l'énonciation comme un émetteur bien plus complexe que le sujet cartésien, car il élargit la conscience non seulement à l'intentionnel qu'il va emprunter à la phénoménologie, mais aussi à ce qu'il va appeler la motivation dans l'acte analytique et qu'il prend au dispositif transférentiel de l'analysant ou l'analyste, c'est-à-dire du transfert en analyse. De surcroît, et sans y paraître, donc il esquisse ici une ouverture vers le sujet de l'inconscient dans cet acte d'énonciation. Et par conséquent, cette structure l'énonciation n'est pas seulement structurée comme un langage, si on le lit bien, mais elle est travaillée par des forces anarchiques, pulsionnelles peut-être, que le langage, il ne les nomme pas pulsionnels, mais il dit que ce qu'ils sont des forces anarchiques, le langage se borne de refréner et de sublimer.
bien qu'il se laisse déchirer par elle, et c'est à partir de cette déchirure que se produisent de nouveaux contenus, ceux de la motivation inconsciente et du symbolisme spécifique, quand le pouvoir de la censure est suspendu. Donc, une nouvelle dimension de la linguistique générale, selon Beveniste, se révèle ainsi, mais qui va être approfondie dans le second volume. Et en discussion avec Saussure et sa conception des éléments distinctifs du système linguistique que sont les signes, Beveniste propose deux types de signifiance dans le langage. Donc, suite à cette difficulté qu'il rencontre entre cartésianisme, phénoménologie du ego transcendantal et théorie freudienne des déchirures du sens par des pulsions inconscientes, il propose d'abord un double modèle de la signifiance, le sémiotique et le sémantique. Le sémiotique serait, du grec séméion ou signe, caractérisé par l'arbitraire, c'est-à-dire résultat d'une convention sociale, entre le signifié et le signifiant. C'est un sens clos, générique, binaire, intralinguistique, systématisant et institutionnel, qui se définit par les relations de paradigme et de substitution. Le sémantique, par contre, s'exprime dans la phrase, pas seulement des signes, mais dans la phrase, sujet, verbe, prédicat, et qui s'articule dans l'intenté du signifié. L'intenté, encore une fois, n'est pas seulement l'intenté des phénoménologues et de l'intention phénoménologique de Husserl, dont la pensée commence à influencer certains linguistes dans les années 50-60, mais qui embrasse la force anarchique et les déchirures inhérentes à travers la motivation transfert entre les deux protagonistes du langage. Mais revenons à la double signifiance, donc. De ce qu'il annonce comme projet de sa linguistique. Elle est surimposée en doublure du sémiotique. Ce sémantique qu'il introduit et qui n'est pas le sémantique de la grammaire générative se définit par la relation de connexion au-delà du sémiotique du signe, dans les motivations des mots, dans l'activité des locuteurs, dans la rencontre entre la première et la deuxième personne, qui laisse la troisième en tant que hors-personne, en dehors du discours. On s'achemine ainsi vers une conception duelle de la signifiance qui ouvre un nouveau champ de recherche. Beveniste insiste sur le dépassement de la notion saussurienne du signe et du langage et souligne l'importance à la fois intralinguistique, c'est-à-dire intérieure au système du langage où il faut chercher des signes qui correspondent à la rencontre et pas seulement à ce qui est institutionnalisé, mais qui sont aussi translinguistiques, c'est-à-dire qu'il nous invite à chercher de la métasémiotique dans des textes, mais aussi des systèmes qui sont autres que systèmes de langage, par exemple le cinéma, l'image, la musique, les gestes, et qui, par conséquent, ne sont pas réductibles au système de la langue, qui introduisent dans ce système d'autres déchirures. Il se rend compte de l'immensité de la refonte qu'il propose ainsi de la linguistique, et il dit ceci dans le tome 2 de « Problèmes de linguistique générale ». Nous sommes tout à fait au commencement d'une réflexion sur une propriété qui n'est pas encore définissable d'une manière intégrale. Cette orientation qui traverse la linguistique de la signifiance obligera à réorganiser l'appareil des sciences de l'homme. Vous voyez dans quelle ambition translinguistique, en effet, philosophique et épistémologique, il s'avance. Les dernières leçons de Beveniste poursuivent donc cette réflexion en s'adossant sur un nouveau continent du langage, avant d'aborder celui de Baudelaire à travers la linguistique, du texte poétique, c'est le relais de l'écriture. Donc je vais apporter quelques éléments sur sa conception de l'écriture comme interne au langage.
non pas comme un acte qui vient simplement traduire en nouveaux signes ce que la langue dit déjà, mais qui est un mécanisme, une motivation, encore une fois, une logique, un mouvement de la signifiance qui est inhérente à l'acte de la parole. Donc, c'est l'écriture que Benveniste, c'est à l'écriture qu'il attribue le rôle de développer la double signifiance. C'est l'écriture, sa capacité de production et d'engendrement, qui devient le centre de sa préoccupation. Il parle de l'iconisation de la pensée, qui serait l'acte de l'écriture, en quelque sorte, initialement, indépendant de l'élocution, de l'énonciation et de la communication. Et cette iconisation de la pensée est source d'une expérience unique du locuteur avec lui-même, par lequel acte ce dernier prend conscience que ce n'est pas de la parole prononcée, du langage en action, que procède l'écriture, mais d'un langage intérieur, donc il introduit sa notion du langage intérieur, qui serait déjà une écriture et qui ne se réduit pas ni au sémantique ni le sémiotique, mais qui est leur réorganisation, un langage intérieur global, schématique, non grammatical, allusif, rapide, incohérent, intelligible par le parlant et par lui seul, qui confronte celui-ci à la tâche considérable de réaliser une opération de conversation avec la pensée et de conversion de la pensée dans une forme intelligible à d'autres. Vous voyez, une réorganisation de la pensée est toujours cette préoccupation de l'altérité. En effet, cette hypothèse associant l'écriture au langage intérieur, qui sera modifiée plus loin, renoue avec les interrogations antérieures de Benveniste sur la force anarchique de l'inconscient freudien. Le langage intérieur, que l'écriture cherche donc à représenter, serait-il tributaire de ces déchirures du langage qu'il cherchait ou qu'il entrevoyait dans le rêve et qu'il appelait défaillance et jeu ou libre divagation, dont il essayait de chercher l'origine aussi chez Freud. En tout cas, les notes concises des dernières leçons sur l'écriture rappellent cette œuvre antérieure de Benveniste, lecteur de Freud, et complètent une fois de plus l'intenté qui ferait partie de la sémantique, non pas comme intenté phénoménologique, mais comme motivation d'ordre inconscient plus proche de la dimension freudienne que de la dimension phénoménologique. Le langage intérieur du parlant écrivant ne se limiterait donc pas seulement à la propositionnalité propre à l'ego transcendantal selon Husserl et à son intention, mais pourrait dessiner en creux, dans les théories de la subjectivité, divers espaces subjectifs, diverses typologies ou topologies de la signifiance, typologie ou topologie de la subjectivité dans un processus d'engendrement de la signifiance à plusieurs niveaux. Et l'expérience poétique de Baudelaire, on le verra tout de suite, confirme et précise cette avancée. Donc, Benveniste introduit cette question de l'iconisation de la langue. Il fait aussi une petite traversée historique des écritures constituées, pictographiques, cunéiformes, alphabétiques, hiéroglyphiques, dans lesquelles je n'entrerai pas aujourd'hui. Mais je vais relever seulement un élément très important de la signifiance par l'écriture, qui me paraît très intéressante pour la compréhension de cette notion de signifiance et qui est une nouvelle caractéristique du langage intérieur, pas seulement iconisant, pas seulement globalisant, pas seulement ouvrant à la défaillance et au jeu. C'est le langage intérieur qui formule le mythe. Et il verra cette formulation du mythe, c'est-à-dire du récit, de la narration, dans certaines écritures imagées
égyptienne, chinoise, où on va voir se présenter un récit, lequel nous renvoie à la prééminence du narratème au grammatical. Ce sont c'est-à-dire de ce que Freud appellerait les fantasmes originaux, ou d'autres fantasmes qui sont déjà des récits, mais qui seraient présents dans une icône qui représente une offrande ou une main qui se porte vers un outil ou une oreille qui se porte vers une bouche et qui raconte déjà une expérience narrative. Cette importance du narratème préalable aux sémantiques sémiotiques est très intéressante pour le condensé du langage intérieur et qui rejoint certains travaux de cognitivistes, notamment de l'école de Genève, qui voit dans la compétence linguistique non seulement la grammaire chomskienne, mais la capacité d'un récit. Quand l'enfant dit « oh », ce ne veut pas dire seulement, ou je l'entends pas seulement comme linguiste, comme « c'est de l'eau », mais « je veux de l'eau à maman ». Donc comme un récit qui articule une expérience intersubjective. Donc c'est cette prééminence du narratème, du mythe au signifié, signifiant, au sémiotique et au sémantique, qui préoccupe cette lecture de l'écriture par Benveniste. Ceci le conduira aussi à une réflexion que je ne développerai pas. Je vous invite à vous reporter à ces dernières leçons, parce que je voudrais conclure rapidement. Comment cette vision de la signifiance, augmentée par le sémiotique, le sémantique intersubjectif, la motivation qui inclut l'autre, les défaillances, les déchirures, mais aussi le langage intérieur avec sa narrativité, le conduit à l'infinie capacité de la signifiance et à la notion de l'infini par rapport au nombrable, qu'il traverse rapidement en revenant à Platon, la place du nombre dans les réflexions du grammairien qui essaye de donner une limitation au processus infini, mais n'oublie jamais l'infini, et comment donner place à l'infini dans le fini, c'est une dimension qui le préoccupe dans cette introduction de la notion du signifiant, qui est aussi une dimension freudienne, comme vous savez, après avoir exploré le moi et l'autre, c'est à l'histoire des religions qu'il va s'intéresser en inscrivant la phylogénèse dans l'autogénèse. Ceci le conduit à considérer la signifiance comme une expérience, ni système, ni structure, mais mise en question, problématisation des unités dans un acting infini, au sens de non-fini, mais aussi susceptible d'être continué à travers les générations dans la transmission des narratèmes et des mythes. Je me réfère pour finir à la dernière expérience qui m'a été donnée à connaître de l'aventure de Benveniste, qui est son aphasie. Quelques années de mon étude en France comme étudiante m'ont conduite à le connaître et nous avons créé ensemble l'Association internationale de sémiologie. Moi, comme secrétaire général de l'association et lui qui était élu président de cette association à Prague, j'insiste là-dessus parce qu'il y avait une dimension politique aussi de cet engagement, car cette association était fondée par des linguistes et des logiciens de la langue, spécialistes des logiques du langage dans les pays de l'Est, qui faisaient de cet acte-là un acte de dissidence au moment même où se jouait le printemps de Prague. Et au retour de ce voyage, très rapidement, en 69,
l'acte de fondation en 68-69, Benveniste subit un accident vasculaire et il passe 7 années de sa vie en aphasie. Dans les textes qui sont publiés dans les dernières leçons, nous avons cette phrase que je trouve extrêmement significative de son expérience et du rôle de linguiste confronté à la limitation et à l'infini de la signifiance, qui est celle-ci, dans une lettre à Georges Redard. La linguistique est universalité, mais le pauvre linguiste est écartelé dans l'univers. Et je pense que c'est toute sa vie d'Ezra à Émile Benveniste, grand inventeur de la signifiance infinie, qui se résume dans cette phrase. Mais davantage que cela, cette rencontre, la dernière que j'ai eue avec lui, et qui, vous le verrez, dépasse largement l'anecdote, c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous l'avouer et vous la confier. Peu avant sa mort, demande d'être visité par des signes et en indiquant sur une feuille de papier les noms qu'il souhaite inviter. J'arrive à notre rencontre et il griffonne sur mon chemisier quelque chose que je ne comprends pas et qui m'interpelle évidemment. Je lui tends une feuille de papier en lui demandant d'expliciter sa demande. Et il écrit avec un stylo bic Théo, T-H-E-O. J'étais persuadée que malgré la paralysie verbale, il n'avait pas perdu complètement son intelligence, et plusieurs dédicaces à des livres anciens de lui que je lui avais apportés faisaient preuve de cette présence, de certaines formes de sémiotique, de sémantique, en tout cas de langage intérieur, d'iconisation de la pensée et d'éléments de ce processus de signifiance qui le préoccupait. Mais aujourd'hui, en lisant ses derniers écrits et en passant notre rencontre, au regard de son œuvre et au regard de l'œuvre de Freud qu'il avait occupée, la preuve par nos échanges aussi, c'était au moins une lecture permanente, je ne prétends pas vous proposer une interprétation de ce Théo, qui me reste à jamais énigmatique, mais je vais esquisser une lecture qui n'est pas l'analyste, ce n'est pas l'analyste, le psy qui parle, c'est la sémioticienne qui essaye d'entendre ce qu'il essaye de me communiquer concernant sa compréhension du langage ou ce qui lui restait de cette compréhension. À savoir que les hasards de nos histoires personnelles respectives m'avaient mise sur sa route. Et il me rappelait, par cette relation corporelle, avant de s'éteindre, un message qu'il voulait inscrire, pas seulement sur le papier, mais dans les corps. À savoir que, je reprends les notions dont je vous ai parlé, la double signifiance, etc., à savoir que quel que soit le sémantique de notre discours, tel que nous le communiquons par des dialogues, Et sa signifiance, il disait toujours, montre que le langage n'est pas là pour signifier autre chose, n'est pas là pour communiquer, mais pour signifier. On ne communique pas, on signifie cette iconisation, cette expérience, cette rencontre. Donc, quelle que soit la sémantique de notre discours, la diversité de nos langues et la langue elle-même engendrent une capacité de signifiance, un pouvoir signifiant. Il aurait pu l'écrire Yahvé, mais ce n'était pas du tout, ce n'était plus sa référence. Sa compréhension de la signifiance me paraît être un élément fort de ce qu'on peut appeler la déconstruction de l'ontothéologie. Et c'est cette déconstruction de l'ontothéologie par la linguistique, ouverte à l'infini par lui, qu'il essayait de me communiquer comme possible si on tient compte
du langage intérieur qui se produit entre deux sujets d'énonciation dans leur rencontre corps à corps. Et c'est cette dimension-là qui me paraissait être sa leçon, en tout cas la dernière qu'il m'a transmise, pour me dire que je, toute personne, consiste en cette dualité qui se tient au carrefour d'une autre personne et que c'est cette capacité de signifiance échangée qui est le pouvoir de la signifiance. Il ne faut pas le chercher au-delà, ni dans la psyché, ni en soi, ni dans le social, mais dans l'interaction entre deux. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite une fois de plus à relire son œuvre et tout particulièrement les dernières leçons. Merci. Merci beaucoup. Bien entendu, Benveniste a une carrière très très intéressante au Collège de France. Il y est entré très jeune, hein. Élu en 1937, il avait 35 ans. Et ils ont une très longue carrière, interrompue évidemment par la guerre, puisque dès 40, il était prisonnier de guerre au moment de... Il a été fait prisonnier par les Allemands, ce qui fait que le statut des Juifs ne lui a pas été appliqué. Il n'a pas été révoqué à l'automne 40, étant prisonnier de guerre. Ce qui fait que quand j'avais fait des recherches sur cette période, on l'a restauré. L'administration française fonctionne toujours très bien. Donc, dès le 1er septembre 1944, il y a eu un arrêté du ministre de l'Éducation nationale, du ministre, enfin, il n'y en avait pas encore, il était encore à Alger, c'est le secrétaire général de l'Éducation nationale, qui était Henri Vallon, professeur au Collège de France. C'est lui le premier qui est entré rue de Grenelle. Il a aussitôt pris un arrêté pour restaurer les 8 professeurs juifs du Collège de France. Mais quelques jours après, parce que l'administration fonctionne très bien, un nouvel arrêté qui corrigeait l'arrêté initial et qui prenait acte du fait que Benveniste n'avait jamais été révoqué étant prisonnier de guerre. Mais vous avez raison, il est revenu à Paris et à ce moment-là, il est heureusement pour lui parti à Fribourg. Où il a été bibliothécaire pendant le reste de la guerre. Et c'est ça qui lui a permis d'éviter le sort de son frère. J'ai une question que j'ai oublié, c'est les circonstances de l'article sur Freud, c'est dans quelle revue? C'était à la L'Inconscient. C'est dans L'Inconscient. Donc c'était à la demande de Lacan. Il semblerait. Moi, je ne suis pas sûre. Je pensais, mais je n'ai pas les preuves. On n'en est pas vraiment sûr. Donc c'est dans l'inconscient. Qui voulait intervenir? Je crois qu'il y avait une question.